avec ce Paris Saint-Germain, 4 trophées. Ouais, ça fait plaisir, c'est une vraie joie, une vraie fierté. On savait avant le match que si on remportait la coupe, on allait inscrire une ligne importante du club et du football français, c'est chose faite. Donc, ce soir on peut être content et on peut être fier de ce qu'on a fait. La saison a été longue, difficile, il y a eu des moments compliqués. Mais on a su relever la tête et en tout cas, en France, c'était difficile de faire mieux. C'est ça qui est assez fou en plus, c'est de voir cette équipe qui a 19 joueurs professionnels, 4 gardiens, et à le faire plus financer qui nous a. Il y a eu des moments difficiles en début de saison, des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde un petit peu fatigués, un petit peu en vrac, et vous avez réussi quand même à les avoir tous ces trophées, ce qui est quand même complètement fou. Ouais, parce qu'en début de saison, c'était pas simple, mais on a su prendre des points importants sur la première partie de championnat, même si à la trêve, on était dans une situation pas top. On savait qu'on pouvait adresser la barre et c'est vrai qu'on a fini la saison en boulet de canon et on a réussi à rafler tous les titres nationaux cette saison. Donc voilà, le bilan est très positif. Ça va être difficile de faire beaucoup mieux, mais on va essayer de recommencer ça l'année prochaine, mais d'abord se reposer, savourer ce soir et se reposer pendant les vacances. Le président l'a dit, recommencer ça la saison prochaine et ajouter encore un petit peu plus de Ligue des Champions. Il est exigeant. Hein. Ouais. Il est président. Il est président. Oui, c'est normal. Il a envie de gagner un maximum de choses avec ce club. Il a mis des moyens importants. Ça paye quand même pas mal, puisque 4 titres en une saison, c'est plutôt beau. Donc voilà, on va déjà savourer ça. Et puis, il aura le temps de remettre la pression la saison prochaine. Merci.